Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Clash Royale, on va se faire un petit pack opening, après on se fera deux petites attaques et après on ouvrira le coffre à couronne pour bien terminer, c'est parti! Donc nous voilà devant notre petit pack opening, on va commencer par les coffres d'argent. Allez, c'est pas dit, on est des fous. Non mais on est des fous nous. Alors 50... Non c'est pas, on est pas des fous, mais quand même, on continue ce parti. 50 d'or, ça fait plaisir. Une Valkyrie, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas eu. J'ai cru qu'elle était morte la Valkyrie. Hein. Oh là, ah ouais, non mais... Valkyrie, t'es morte? Youhou, je t'entends plus moi, Ça fait un petit moment que j'en ai pas eu de la Valkyrie, ça c'est sûr. Hein. Mais franchement, ça fait toujours plaisir une petite Valkyrie. Bon, avant, je l'aimais pas, parce que bon... J'utilisais pas, puis je voyais pas l'utilité. Mais finalement, en l'utilisant, je me suis dit, ah ouais, bon, finalement, c'est indispensable. Hein. Donc depuis, je m'en sers pas. Voilà. Donc du coup, 7 mortiers. Alors là, je vois toujours pas l'utilité du mortier. Hein. Dites-moi l'utilité du mortier, moi je vois pas. Hein. À part tirer sur la tour ennemie, je vois pas quoi ça sert. Hein. Mais bon, étant donné que je joue pas le genre de jeu où tu fais Arc-X, mortier pour tirer sur la tour ennemie, non, ça, c'est pas moi, ça, hein, c'est bon. Enfin bon, donc du coup, on va continuer un petit peu nos pack opening. Bon, c'est un petit pack opening, certes, mais moi, j'appelle ça un pack opening, hein, qu'est-ce que je te dise. Je vais pas appeler ça un troll opening, hein, c'est complètement con, hein, c'est bon. Voilà, alors, du coup, 7 de barbare. 7 barbares, c'est plutôt pas mal, mais bon, J'ai pas encore trouvé un deck où je peux les utiliser, tu vois. Pour l'instant, je sais pas trop. Je reste un peu dubitatif. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas très grave. Donc, du coup, mini PK. Ça fait plaisir. Encore une fois, je sais pas comment l'utiliser. J'ai pas encore. Tu vois, je sais pas. Il est dur à utiliser. Le mini PK, il est vraiment dur à utiliser. Parce qu'il faut vraiment arriver à le mettre au bon moment, tu vois. C'est un peu de la chance, tu vois. C'est un peu toi et ta chance, tu vois. Donc, 46 d'or, ça fait plaisir. Une toit bombe Non, là, par contre, ça... Non, ça fait pas plaisir, non. Là, par contre, tout ce qui est bâtiment défensif, alors là, mais je m'en fous complet. 7 chevaliers, là, par contre, c'est cool. Chevalier, franchement, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal, parce que c'est un... Disons que c'est un peu comme le géant, mais en moins cher. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, il a moins de vie, c'est sûr, mais c'est plutôt pas mal quand même. Donc, coffre gratuit, c'est parti, on est chaud. On est chaud ou on est chaud? Donc 62 or, ça va plutôt bien. On est quand même à 848. Plus que 1000 et quelques, 1152 or. Et on peut améliorer notre fuit à gobelins, ce qui est plutôt pas mal. Donc 62 or, ça fait plaisir. 7 électrocution. Oui, bon, c'est vrai que c'est plutôt pas mal l'électrocution. Mais bon, le problème, c'est quand on augmente le niveau, et ben ça augmente que les dégâts qu'il fait. À la limite, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans l'électrocution, parce qu'il fait tellement pas de dégâts que tu t'en fous un peu. Mais c'est surtout le fait qu'il ralentit l'ennemi, ça c'est pas mal ça. Encore un mini PK, pourquoi pas. Ouais, bon, disons que ça va, le pack opening n'est pas non plus fameux, mais il n'est pas non plus pourri quoi. Donc 57 d'or, ça fait plaisir. 2 gemmes, ah ça c'est bon ça, j'aime bien quand il y a des gemmes. Waouh. Donc 7 esprits de feu, ça c'est plutôt cool aussi, parce que c'est vrai que l'esprit de feu, il... Bien utilisé, il peut être vraiment pas mal. Hein. Mais bon, j'arrive pas à utiliser encore une fois, donc voilà. Pierre tombale, bah, ça m'intéresse pas. Ça reste un bâtiment défensif qui est quand même assez dur à contrôler. Donc ça ne m'intéresse pas. Allez, c'est parti, on va finir avec le petit coffre d'or. Ça, ce sera déjà mieux. Donc on est à 1083, ce qui est plutôt pas mal. Je pense que dans le prochain pack opening, on pourra améliorer le fût à gobelins, ça va être pas mal. Donc 178 or. Ça fait plaisir, 4 chevaliers encore une fois, donc la dernière fois je crois qu'on a eu 7 hein, tout à l'heure, hein, si je me rappelle bien, je sais plus mais je crois que c'est ça. Hein. Donc 4 chevaliers, donc c'est plutôt pas mal, ça fait plaisir, mais bon, moi je suis plus en train d'utiliser les archers là en ce moment, donc ça pourrait être pas mal si tu pouvais me passer les archers. Mortier encore une fois, je m'en fous complet. Et ben voilà, 14 gargouilles, voilà, là tu fais plaisir là, tu vois. Gargouille, horde de gargouilles, ça fait plaisir. Et 3 fournaises, bon. Il y a mieux, hein. Valkyrie, cochon. C'est un peu mieux, mais bon, c'est pas grave. En gros, j'utilise ça comme troupe. Hein. Donc, moi, je me dis, si je garde ce deck jusqu'à la fin, eh ben, il sera super puissant et je serai à super bas niveau. Et là, c'est l'intelligence, mon petit. Là, c'est l'intelligence. Ok, ça va faire toujours le même deck. Ça va jamais changer. Mais en attendant, vous rigolerez moins quand je défoncerai des niveaux 13 alors que je serai niveau 10. Ah ouais, vous rigolerez moins. Ouais. Ouais, non mais on verra.
Enfin, je sais même pas si ça existe au niveau 13. Vous rigolerez moins, vous allez voir. Moi, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais vous dire tout de suite pour attaquer. Et puis après, on ouvre la coffre à couronne. C'est parti. Et c'est parti, les gars, on est contre 1688 personnes qui est devant nous. C'est beaucoup de personnes. Franchement, je vous assure que c'est énorme. Le nombre de personnes que ça donne, c'est un truc de fou. Alors, le mec a vraiment cru qu'il pouvait me gruger dès le début. Et ben, j'ai défoncé, hein, bah voilà. Bon, du coup, on va essayer de mettre notre... je sais plus comment ça s'appelle. Honte à moi. Molosse de lave, molosse de lave. Parce que là, je suis en train de me dire qu'il y a beaucoup plus d'élixir que moi et c'est en train de me saouler. Ouais, franchement, ouais, c'est ça. Parce que dès le début, j'ai utilisé quand même Horde de Gargouille qui est à 5 élixirs et en plus l'autre là, je sais plus comment ça s'appelle là. Tu sais, un truc qui tourne sur elle-même, la Valkyrie là. 4 élixirs la Valkyrie. Hein. Oh, donc du coup, ça me fait. Lui, je crois qu'il a utilisé 6 élixirs avec son squelette géant. Donc t'imagines, il y avait une différence de 3 élixirs. Ce qui est plutôt énorme. Ah oui, mais il a tiré les flèches aussi. Ah ouais, donc ça fait 3 élixirs en plus. Ah bah c'est bon, on était au même niveau alors. Donc c'est plutôt pas mal là, au final. Hop là. Putain, mais le mec il a vraiment cru de pouvoir faire quelque chose quoi. Mais j'y crois pas, le mec il est pas très intelligent. Hein. Non mais franchement pas mal. Hein. Sa technique d'attaque, il faut vraiment être sur les... Enfin, moi qui suis pas très concentré dans le jeu, il y a moyen qu'à un moment il me... Ah ouais hein. Putain, ah par contre j'ai défoncé. Parce qu'en fait le mec il est là. Il essaye de jouer, tu vois, sur la rapidité, tu vois. Genre, tu vois, de vite attaquer, et t'as même pas le temps de défendre ou quoi que ce soit. Et putain, et franchement, dès le début, je l'avais même pas remarqué, son squelette géant. Je fais, putain, mais il a mis un squelette géant, sérieux. Putain, ouais, j'ai vite défendu, quoi. Mais franchement, c'est... Oh là là, il a vraiment, le mec... Enfin, moi, je suis là, je suis tranquillou, quoi. Je suis pas là pour... je suis pas là en mode, je crute le moindre truc, tu vois. Donc franchement, bravo, le mec, hein. Il a vraiment fait le fou dès le début et tout. C'était plutôt un truc de fou. Ah, il a réussi à toucher ma tour et tout. Ah, c'est dommage. Bon, c'est pas très grave. On va envoyer du cochon, tout ça. Ça sera très bien. Ah, attends, les flèches. Non, même pas. Oh là là. Ça servait à rien ce qu'il a fait. Bon, alors c'est parti, on envoie ça. Je pense qu'on va se faire plaisir là. Hein, avec le cochon et tout. Ah, les flèches. J'avais oublié les flèches. C'est pas grave, on envoie le feu à gobelin, on sait jamais. On sait jamais. Hein, peut-être que. Ah, c'est pas encore ça. C'est dommage. Bon. Alors là mon gars, on va faire ça. Bim, t'as le démon là. Hein. Ah, t'as le démon. C'est bien ce qui me semblait. Ça fait plaisir. Voilà. Ah, ça t'a énervé hein. Ça t'a énervé. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça l'a énervé le petit. C'est toi qui fait n'importe quoi aussi. Hein. Ah, mais désolé pour toi, je suis trop actif. Hein. mais n'empêche quand même. Il y a quelques fois, il a failli quand même m'avoir bien comme il faut avec ses troupes. Hein. Oh, il speed le mec, hein. Franchement, il est pas là pour plaisanter le mec. Hein. Oh, il est en mode gros speed et tout. C'est un truc de malade. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer Fleur Gobelin. On va envoyer les archers. Et au moins, ça va faire plaisir normalement. Allez, les archers ou pas? Ouais, ça passe. Ouais. Pff, oh là 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 là, ça va, on se fait plaisir quand même. Hein. Oh là là, ça va, on se fait plaisir. Bon. Gros, mais. Mais non, ça passera pas, non. Ça ne passera pas, mon petit. Hein. Eh oui, je suis désolé, mais ça passera pas. Non, j'ai fait de la merde. Ok, c'est bon. Oh, j'ai eu de la chance, franchement. Heureusement qu'elles sont vite avancées, mais les hordes de gargouilles, parce que sinon, j'aurais été dans la merde. Bon, ce qu'on va faire, ça va être très simple, on va faire ça. On va faire les archers, peut-être, tiens. Ouais, les archers, ça peut être pas mal. Voilà, on va lancer ça. Puis on va se faire plaisir, hein. Oh, bah ouais. On va se faire plaisir, les gars. Voilà, donc au dernier moment, on va un peu le défoncer. Hein. Voilà, voilà. Non, mais franchement, cette technique d'attaque... ça pouvait fonctionner, mais pas avec moi. Non, malheureusement, j'ai été trop... voilà, donc du coup, super combat. Et puis, bonne chance pour la suite. Et n'empêche, on est tombé sur quelqu'un, mon gars. Le mec, il est speed, hein. Oh, mon cerveau, là, il a tourné, là. T'es à pleine puissance, mon cerveau. Non, mais le mec, il envoie... Oh, le mec, tu vois, je suis tranquille, tu vois. Je suis en train de parler, je regarde pas forcément le jeu, tu vois. Je suis pas concentré, tu vois. Le mec, il envoie du... du squelette géant, c'est dès le début. Après, il a essayé d'envoyer du prince. Si j'aurais pas fait attention, le prince, il aurait pu très bien venir taper à la tour. Et là, ça peut faire mal. Franchement, le mec, il... Attention, hein, il joue sur mes réactions. Hein. Il est fou, ce mec. Putain, il veut me tuer, dis donc. Putain, je te jure. Bon, ouais, moi, je vous dis à tout de suite pour une deuxième attaque. C'est parti. Allez, c'est parti, les gars. On est contre Peter Pooh. Tu vois, mais c'est plus Kung Fu, c'est Peter Fu, tu vois. Ok. Donc, il est niveau 8, donc ça fait plaisir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre petit molosse de lave dès le début, comme d'habitude. Quand on l'a dès le début, franchement, ça fait tellement plaisir.
Oula, ça va pas le faire ça, hein. Tu vas pas me gruger comme ça, mon petit. Ça, ça va pas le faire ça, hein. Moi, je suis minuit, hein. Non, mais le mec, dès le début, tu sais, il envoie, quoi. C'est hallucinant, le mec. Bon. Alors là, déjà, on va faire ça dès le début. Et on va faire ça, pourquoi pas. Ok, c'est bon. On va essayer d'envoyer du chevaux short cochon, pourquoi pas. À essayer de rattraper un peu la connerie qu'on a faite, de pas bien jouer. Et ben voilà. Bah, c'est déjà bien. Déjà, on le défonce. Alors, on lui casse la tour ou pas? Ouais. Et ben voilà. Bah, tu vois, on le défonce de toute façon. Donc, j'ai bien fait d'envoyer du cochon. Voilà. Je pensais pas que ça allait faire si mal, n'empêche. Hein. Oh là là, le mec en plus, il a foutu une boule de feu. Donc, imagine, il aurait pas mis de boule de feu. Laisse tomber le dégât, tu vois. Ça aurait été un truc de fou. Mais qu'est-ce que tu me veux, mon petit? Et bah, salut. Hein, voilà, salut. Ah là là, t'as envoyé tes trucs pour rien de toute façon, hein, donc... Non, peut-être pas pour rien, parce que c'est vrai qu'après, ça aurait pu faire mal à ta tour. Donc effectivement, t'as bien fait, t'as défendu dans ce cas. Mais t'as pas réussi à contre-attaquer, ce qui est plutôt pas mal. Du coup, on va renvoyer du molosse de lave. Et franchement, ce deck... Ah, vous comprenez pourquoi j'ai pas envie de m'en séparer de ce deck? Est-ce que vous comprenez? Hein? Oh, voilà, tu vois. C'est tout un truc, ce deck. Oh, attention, c'est la puissance, c'est le même, tu vois. C'est la défense et la puissance mélangée, mon petit. Et ça, ça fait plaisir, ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une horde. Non, on va peut-être envoyer ce truc, là. On va peut-être envoyer ce truc, malgré qu'il y ait une boule de feu. Nickel. Ok, ça envoie ou pas? Ça envoie du lourd? Ça envoie du lourd, les gars. Ça envoie du lourd, les gars. Ça fait plaisir. Putain, je te jure. Oh là 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 là. Le mec, il a le démon, quand même, hein. Ouais, c'est bon ou pas? Ok, donc de toute façon, il finit la tour, mais c'est pas très grave, parce que nous, on va envoyer du petit molosse de lave. Et puis on va envoyer... Mais non, mais gros, ça sert à rien ce que tu fais là. Hop là, t'as vu, c'est fini. Hop. Eh ben, c'est pas compliqué, hein, c'est pas compliqué. Bon, du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut envoyer notre cher fût à gobelin. Et après, comme ça au moins, on pourra sauver nos esprits de feu. On pourra sauver nos esprits de feu, donc ça sera plutôt pas mal. Et ben voilà, c'est fini, mon petit, c'est fini. Hein, c'est fini, voilà, c'est... Salut. Salut. Voilà, t'es mort. Voilà, ouais, t'es mort, ouais. Ouais, effectivement. Ah, tu le savais pas? Bah, maintenant tu le sais. Voilà, bah, on est des fous, hein. Un petit deuxième molosse de lave, ça fait toujours plaisir, hein. Ouais, je m'arrête là, parce que bon, il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Ouais, moi, je te dis salut. Franchement, elle fait une petite attaque, là, mon pays. Ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Donc, du coup, ce que je vais faire, moi, c'est que je vous dirai tout de suite pour une deuxième attaque. Après cette attaque plutôt magnifique. Non, franchement, entre nous, ce deck, il est génial, hein. Ah merde, je vous ai dit une autre attaque? Mais non, j'ai dit de la merde, on est sur un pack opening. Non, c'est pas vrai, je suis vraiment désolé. Je vous ai fait un faux espoir, mais il n'y a pas d'autre attaque. Je suis vraiment désolé. Non mais voilà, donc du coup... oui, donc du coup, le truc c'est que le deck est plutôt puissant. Attendez, ouais mais on a même pas, non. J'ai même pas assez pour ouvrir le coffre maintenant, donc je vous le dirai tout de suite pour le coffre. Le truc est plutôt puissant, donc je vois même pas pourquoi je m'en séparerais, vous voyez. Imaginez quand je suis au niveau max, alors que je suis niveau que 10 ou voire 11. Vous imaginez un petit peu la puissance, tu vois. Tu vois, par rapport à ceux qui sont au niveau 12, 13... non mais tu vois, ça peut faire mal, tu vois. Ah, ça peut faire mal. Enfin bon, donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais bosser sur ceux, et je vous dirai tout de suite pour le coffre à couronne. C'est parti. Et c'est parti les gars, après deux petites victoires, on peut enfin ouvrir ce coffre à couronne, parce que j'avais six couronnes. Donc du coup, j'en ai gagné suffisamment en gagnant deux combats. Voilà, donc du coup, bon, on va l'ouvrir, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Ça donne ou pas Oh, d'ailleurs, j'ai eu deux victoires, attendez, juste deux secondes. Voilà, des fois ça reste un peu coincé au niveau de la gorge. Enfin bon, oui, donc du coup, j'ai eu que des victoires. Donc j'ai fait en tout les deux attaques de tout à l'heure, plus deux attaques là pour gagner le coffre à couronne. Donc j'ai fait 4 victoires à 3 étoiles. Eh, ça fait plaisir ça, hein. Putain, c'est bon ça. Bon alors, 380 d'or, ça c'est cool. 2 gemmes. Ouais. En tout, ça fait que 4 gemmes hein, dans tout le pack opening, quoi. C'est dommage. Mais bon. J'avais dit entre 5 et 10 gemmes qu'on gagnait à chaque fois, bah finalement on peut gagner moins que 5 gemmes. C'est hallucinant ça, hein. Avec tous les coffres qu'on ouvre, on gagne que dalle en gemmes, c'est un truc de ouf. C'est vraiment des radins Supercell. Hein. Oh là là, je te jure. Hein. Putain, le mec est jamais content de toute façon. Bon alors, 21 mortiers, bon ça me plaît pas vraiment. J'aurais préféré les archers, hein. Ils m'en donnent plus des archers. Hein. Il fait le gros radin. Hein. Putain, il donne plus que dalle en archer, c'est un truc de fou. 25 flèches, bah voilà, tu fais plaisir. T'es mon ami. Bonjour, comment tu vas? Merde, putain, merde, fais chier. Bon alors, je suis de la merde. Donc du coup, j'ai eu 25 flèches, qui est plutôt pas mal. Ça fait plaisir. Non mais je suis content, parce que bon,
ce deck, hein, il est magnifique. Hein. Il y a des fois, je me fais ratatiner, mais il y a des fois, je te fais des actions. Oh là là. Bon, alors, 5 fournaises. Ouais, ouais, ça va. Franchement, ça va. 5 fournaises, ça fait plaisir. Attendez. Ah, ok. Donc, fournaise, ok. Et un bébé dragon. Je me mords le lèvre. Et un bébé dragon. Tu vois, quand j'ai vu les pics, je savais pas s'il fallait que j'ai une action ou s'il fallait que je me taise. Parce que je me suis dit, putain, c'est une carte bien ou il va encore faire l'enfoiré. Bon, disons que c'est entre les deux. Voilà. Comme ça, c'est bien dit. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer sur ce. Je vais vous dire à une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis, n'oubliez pas, restez cool.